Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, toute nouvelle vidéo, on est fin août. J'ai 4 ou 5 jours de pêche devant moi. Je vais pêcher la rivière en mini trip, c'est-à-dire que je vais essayer de faire différents secteurs et d'essayer de faire un poisson. Une fois que j'aurai fait ce poisson, eh bien, je vais bouger pour prospecter. Donc ça sera que des nouvelles zones normalement, à part si le programme change. Mais voilà, des zones bien sauvages, bien stylées, avec des beaux poissons à prendre. J'espère qu'elles seront coopératives. Je vais vous emmener avec moi pendant ces 4 ou 5 jours de pêche. On va kiffer ensemble, je vais essayer de faire des belles images. Et puis pourquoi pas sortir des beaux poissons. Allez, ça y est, les amis, les cannes sont posées, comme vous pouvez le voir derrière moi. Huit. Pêche à deux cannes, tranquille, pêche au spot, de la bille en 20 et de la tiger. Devant moi, 6 mètres au plus profond, dans le lit de la rivière, dans un grand tournant qui est très intéressant, avec un gros arbre immergé, et puis une remontée sur une petite plage où j'ai observé des groins de carpe dans 1 mètre et demi d'eau. J'ai pas plus de visu, l'eau est un peu trouble. On a une eau assez fraîche à 19, donc les poissons ils vont être au max, ils vont être au top. À mon avis, ça doit bien s'alimenter. Donc voilà, j'ai mis une canne dans cette zone et une deuxième canne à la graine en face sur la bordure dans 2 mètres. Voilà, une canne un peu classique et puis on verra bien ce que ça donne. Yes, aïe. Salut beauté. Thank you.
est magnifique. Ah, ça fait vraiment plaisir de toucher un premier poisson comme ça. Une belle miroir en pleine forme. Une bouche magnifique, parfaite. Super fiche. J'ai pas de pesant, mais c'est un poisson qui fait aux alentours des 14 kg, je pense. Avec un joli combat, on a bien dérivé. L'eau est bien teintée, il y a du jus. Mais un beau poisson s'est fait piéger. Avec 4 graines, c'est l'essentiel. L'objectif est rempli pour ce premier secteur que je découvrais. Là, je vais charger le matos, c'est 10h. À 7h, j'avais reposé les cannes direct pour que ça pêche bien la matinée. Je charge le matos comme je vous ai dit et puis je vais aller chercher un nouveau secteur, un nouveau petit spot bien sympa et puis toujours objectif un fiche et puis après on bougera. Allez, enfin posé, il fait chaud, c'est 14h bientôt, je suis en train de me faire à manger, j'ai pris pas mal de couleurs, je suis en train de voir. Voilà, un nouveau secteur, un nouveau bief, très intéressant, jamais pêché encore une fois. Je voulais vous inviter, à ceux qui ne sont pas encore abonnés, à le faire sur mon compte Instagram, sur lequel je publie quasi systématiquement des images, des vidéos de toutes mes sessions, parce qu'il faut savoir qu'une vidéo YouTube, ça prend vraiment beaucoup de temps à tourner, il faut de l'imagination, et puis se concentrer sur la pêche et en même temps sur la vidéo, ça reste compliqué, mais je fais ça avec plaisir. Je vais continuer, ne vous inquiétez pas, à faire des vidéos YouTube. Mais voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte Insta que je vous mets en bas, là, voilà, ici. Et puis, comme ça, au moins, vous pourrez suivre toutes les pêches que je fais parce que je ne publie pas tout sur YouTube. Des fois, j'aime bien pêcher tranquille sans me soucier de la caméra. Sur ce, je vous laisse. Je vais manger, j'en peux plus. Et je vous reprends tout à l'heure avec soit des images de nature ou éventuellement un joli poisson. Bon, je pouvais pas mieux commencer sur ce deuxième secteur, franchement. Je me suis pas trompé sur l'endroit, je pense. 3h, 3h30 de pêche. Waouh, yes! Magnifique miroir. J'avais trouvé la belle zone que je vous ai montrée en GoPro avec les arbres immergés. Un substrat qui allait bien. C'était assez propre autour, j'avais un peu de marge pour gérer le poisson. Et puis des tigers de la bille coupée. Et cette fois-ci, c'est parti sur un bonhomme de neige. Et puis encore un joli poisson. Même gabarit que l'autre, 14-15 kg à l'œil. Super content. On va attaquer la nuit sereinement et pourquoi pas capturer un autre poisson. Yes!
Voici ma petite installation, au cul des cannes comme d'hab, belle étoile, ça c'est vraiment mon truc préféré. Bon là il y a un peu d'ortie, un peu de ronces à mon avis, je vais me faire sulfater par les moustiques. Mais bon, on ira se mettre sous le duvet, ça c'est une autre chose. En tout cas sur ce secteur je suis super content, la pêche elle est faite, ça s'est déclenché très rapidement avec cette superbe miroir. Du coup tout ce qui va se passer cette nuit ça sera que du bonus, pourquoi pas une commune, ça ferait plaisir, une belle commune là ça me ferait vraiment plaisir. Et puis demain matin, 10h à mon avis, je vais bouger, j'ai repéré un petit bief sur Google Maps qui m'a l'air bien sympa et puis on va aller l'essayer et on verra bien. Installé sur le nouveau secteur, aujourd'hui vraiment très très chaud, un gros cagnard, je sais pas combien il doit faire mais dans les 30 degrés. Mathis, un ami, est venu me rejoindre, donc une petite pêche à 4 cannes sur un secteur un peu plus large avec un peu plus de possibilités. Pour vous parler de la fin de pêche sur le secteur de hier, vers 21h j'ai pris un gros départ au cassan et malheureusement à la prise de contact, ben, le poisson décroché, voilà, je sais pas ce que c'était. Et puis ce matin en me réveillant, je vois mon sillon un petit peu bouger et puis j'ai ramené une brème qui a pas réussi à faire péter le cassan, donc ma meilleure canne qui avait produit les deux départs potentiellement avait une brème au bout durant toute la nuit et n'a pas pêché. Donc voilà, pas plus, un seul poisson, mais c'était le top. Pour vous parler maintenant un petit peu des appâts, ben malheureusement la collaboration avec les appâts catalans se termine. À contre-cœur, c'était des super appâts, des super produits qui m'ont suivi pendant quelques mois. J'en étais très content, mais Damien, le patron, a décidé de fermer l'entreprise. Voilà, pour des raisons personnelles, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, ça a été une super expérience et je suis super content d'avoir pu pêcher avec ces appâts là. Comme je vous ai dit, un gros cagnard cet après-midi, là on est en train de se baigner, rester à l'ombre un petit peu. Après je vais tourner quelques images, j'espère qu'on va réussir à toucher un poisson sur ce troisième secteur, ça serait cool. Et puis je vous tiens au jus et on croise les doigts, on est confiant. Une nuit bien humide, avec peu d'activité, juste des blancs. J'ai touché sur une canne, une belle brème et deux chevennes. Voilà, 3h30 le dernier chevenne, j'ai pas été reposer la canne parce que voilà, j'avais pas envie de me faire réveiller toutes les heures durant la nuit, mais peut-être que ça aurait pu produire un poisson, mais voilà, j'ai pris parti pour pas reposer la canne. Hier soir on avait quand même bon espoir, on avait vu une carpe monter quasi sous le cassan, donc voilà, on était bien chaud, mais malheureusement pas de poisson. Là c'est 9h, on va laisser pêcher encore une petite heure et puis après je vais bouger de secteur, je pense le dernier secteur, puisqu'ils annoncent beaucoup de pluie à venir pour les jours suivants. Donc à voir si je fais un ou deux jours sur le prochain secteur pour essayer de faire un dernier poisson avant de plier et puis tourner quelques images et finir en beauté. Oh,
quand le bateau il tourne comme ça, c'est que c'est du bon. Ah ouais, c'est un joli poisson. Pau du coin, il la faut. Il la faut celle-là. Allez, viens me voir, toi. Et voilà, là, oui. Qu'est-ce que ça dit, ça? Et ça, ça dit que c'est pas mal. Les amis, seulement un petit quart d'heure après avoir déposé cette canne, grosse déroule, un bon combat d'une 5-6 minutes, facile. On est allé chercher le fond, un très très joli poisson avec de très grosses lèvres, magnifique, super content, quatrième secteur, fichonne. Et c'est que le début, j'espère que ça va continuer comme ça, mais... trop content, yes. Après cette jolie miroir, je vais vous présenter sa copine, un poil différente, pas la même morphologie, mais tout aussi belle. Cette nuit dans un mètre d'eau, en bordure d'herbe, le cassant qui pète. Et cette magnifique linéaire qui m'a trempé. Je fais les vidéos du poisson directement dans l'eau, ben, pour le protéger au maximum, prendre soin de lui, faire attention à ses écailles, à ses nageoires, comme d'hab. Mais en tout cas, que du kiff. Magnifique poisson. Splendide. Parfaite. Allez, ciao ma belle. La journée est très calme aujourd'hui, pas de carpe à l'horizon. J'ai fait un gros barbeau ce matin aux alentours de 11h et puis s'en est suivi un brochet qui a mordu à la bouillette sur la zone où j'ai pris les deux poissons cette nuit. C'est une zone très peu profonde avec des herbiers, des gros blocs, du sable.
et puis les frondaisons des arbres. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai amorcé bien comme il faut tous les herbiers et j'ai pêché 2-3 mètres derrière avec un cassin accroché dans les arbres, et puis ça a donné les deux jolis poissons de cette nuit. Là je vais aller reposer la canne, c'est bientôt 17h. Je pense que sur ces zones là les poissons s'alimentent plus facilement la nuit vu qu'il y a très peu d'eau, et puis on verra bien. En tout cas j'ai bon espoir pour que la nuit qui arrive me produise un dernier poisson. Là je vais aller poser mon petit montage habituel, un combi link en fluoro avec une petite terminaison en tresse, un hameçon numéro 1 fort de fer, et puis voilà, j'alterne entre les bonhommes de neige et les doubles billes. Café de bon matin, il a plu une bonne partie de la nuit. J'ai fait un départ vers 2h du mat, le cassin a pété, donc forcément une carpe, puisque depuis le début tous les blancs, que ce soit gros barbeau, gros chevesne et même le brochet, n'ont jamais réussi à faire péter les cassins. Donc voilà, malheureusement rien au bout quand je suis arrivé sur la canne, c'est comme ça. Une nuit un peu plus compliquée, je pensais faire un poisson et malheureusement il est venu mais j'ai pas réussi à le faire. Je vous ai emmené avec moi pendant 5 jours au bord de l'eau en itinérance un petit peu, c'était un nouveau concept. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, je suis super content des résultats. Voilà, un poisson à peu près partout hormis sur un secteur, sur cette rivière qui est des fois très déroutante. Donc voilà, je vais pas me plaindre, j'ai fait des super poissons, des super miroirs, des beaux combats, des belles images sur la caméra et plein la tête. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous d'ici quelques temps pour d'autres vidéos, sûrement en gravière ou bien en rivière, grand lac, on verra, suivant les envies. J'espère que vous aurez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner si vous kiffez, et puis profitez bien au bord de l'eau. À bientôt les amis, ciao.